Bonjour, je suis ravie de vous accueillir à ce programme de présentation de la participation du Royaume du Maroc à ce qui est appelé à être eh bien, la première manifestation d'envergure internationale depuis plus d'un an maintenant, Expo 2020 Dubaï. Une première fois qu'une telle manifestation est organisée dans cette région du monde. Alors, pour comprendre les enjeux et la concrétisation de la participation marocaine à cette exposition universelle, je vous propose tout de suite de suivre en images une rétrospective des expositions universelles, mais aussi comment Dubaï s'apprête à accueillir cette ou ce méga rassemblement international. Londres 1851, première exposition universelle, une vitrine sur les savoirs et les progrès de la science et de l'industrie. Et depuis, à chacune des éditions, les expositions universelles ont présenté à de grandes innovations technologiques, culturelles et architecturales. La prochaine édition de ce grand événement se tiendra à Dubaï, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Il s'agit de la première exposition universelle jamais organisée dans la région du Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. Dubaï a investi 40 milliards de dollars dans des grands projets d'infrastructure, dont le site d'exposition qui s'étend sur 438 hectares, l'équivalent de 900 terrains de football. Plus de 190 pays, un record, y participeront sur le thème « Connecter les esprits, construire le futur » pour inviter toute la planète à s'engager ensemble à rendre le monde meilleur. Un thème général et trois sous-thématiques déclinées en districts sur le site de l'exposition. Durabilité, mobilité, opportunité. Chaque pays disposera de son propre pavillon. Au cœur du site, un joyau architectural, El Wasl Plaza, couvert d'un dôme de 130 mètres de diamètre qui culmine à 67 mètres du sol. Un lieu de rencontre, mais aussi un concentré d'innovation technologique. 6 mois durant, les regards du monde entier seront tournés vers Dubaï, qui va offrir aux 25 millions de visiteurs attendus tout un programme d'animation et d'expérience pour envisager le futur de l'humanité. Ensuite, le site sera réaménagé et 80% des bâtiments réutilisés pour devenir District 2020, une cité du savoir et de la recherche. La participation du Maroc à Expo 2020 Dubaï est donc une opportunité à ne pas manquer pour le Maroc. Elle va permettre au Royaume de promouvoir ses talents, son patrimoine et sa vision de l'avenir. Bonjour Nadia Ftahalaoui. Bonjour. On rappellera que vous avez donc été nommée en avril dernier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI Lainsrou en tant que commissaire général de la section marocaine à l'exposition universelle Expo 2020 Dubaï. Une grande responsabilité, mais on sent que cela vous réjouit. C'est un très, très beau challenge. Je suis ravie de la confiance royale et je rejoins une équipe qui travaille d'arrache-pied depuis déjà 2 ans et demi pour porter un projet fabuleux pour notre pays. Et nous avons également un membre de cette équipe, Tariq Walalou, l'architecte du pavillon marocain à l'Expo 2020 Dubaï. Bonjour Tariq Walalou. Bonjour. C'est un peu votre bébé qui verra le jour bientôt. Absolument, et ça a été d'abord une très grande fierté de pouvoir incarner ce projet, et je dois dire une délivrance de le voir presque achevé. Nadia Ftahalaoui, en quoi la présence du Maroc était-elle importante dans une exposition universelle ? Les expositions universelles, ça a toujours été une formidable occasion pour les pays du monde entier de se rencontrer, et un rendez-vous planétaire pour que les citoyens du monde, en toute harmonie, parlent d'avenir et de progrès communs. Le Maroc a une tradition de participer aux expositions universelles, et ce depuis 1867 à Paris. Et depuis lors, le Maroc a participé à 20 expositions universelles. Donc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, notre pays a toujours prôné des valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue avec toutes les cultures et les civilisations du monde. En participant à cette exposition universelle, nous traduisons donc notre engagement et notre mobilisation inconditionnelle pour travailler en faveur de relever les défis mondiaux, en fait, comme l'a souligné Sa Majesté lors de l'exposition universelle à Milan en 2015. Donc, Dubaï 2020, tout particulièrement, va constituer un temps fort pour le Royaume, pour avoir une expression sur la scène internationale et pour promouvoir tous les talents marocains, quelle que soit leur forme.
la participation du Maroc, elle va veiller à valoriser l'image d'un pays moderne, un pays en mouvement, engagé, qui œuvre pour les générations futures et qui va aussi aider à renforcer l'attractivité économique, commerciale et touristique de notre pays. Je rappelle également que l'Expo 2020 à Dubaï sera l'un des tout premiers événements de rassemblement d'envergure au niveau mondial après cette pandémie que nous vivons depuis un an et demi. Il est important que le Maroc soit présent avec 190 autres pays pour montrer sa vision singulière d'aborder sereinement mais de façon engagée un avenir durable et apporter sa contribution avec l'ensemble des pays du monde pour sortir, j'espère, rapidement de cette crise. Et justement, en plus de cette gestion de la crise Covid-19, en participant à cette Expo 2020 Dubaï, quel est le signal, Madame la Commissaire Générale, quel est le signal que nous envoyons, nous, en tant que Marocains, au reste du monde, en participant donc à cette Expo? D'abord, il y a la conjoncture. On ne peut hélas pas oublier que nous avons et nous traversons encore une pandémie. Donc, c'est le retour aux grands événements mondiaux. Et en participant à cette exposition universelle, le Maroc s'inscrit dans sa présence dans un événement qui se veut l'événement le plus sûr du monde. Et on lui souhaite tout le succès du monde après cette pandémie, donc, où le monde entier a besoin d'en sortir. Mais oublions la conjoncture, ce qui compte surtout et ce qui a animé notre volonté de participer activement à cette exposition universelle, c'est clamer notre foi en l'avenir, avec une approche volontariste et responsable qui est inspirée par nos héritages. Et c'est important de rappeler cela parce que notre stratégie de présence a été pensée autour d'un thème majeur, un thème central, héritage pour l'avenir. Donc il s'agit pour nous de rappeler à quel point le Maroc est fier de ses origines qui ont forgé notre identité. Je n'ai pas besoin de les rappeler, mais je vais quand même les rappeler. Nos origines en termes de patrimoine, de valeurs, de grands hommes, de femmes remarquables, de ressources naturelles et notre position géographique qui est vraiment privilégiée. C'est aussi un moment fort pour diffuser la vision de progrès de notre pays sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et comment le Maroc est déterminé à transmettre à des générations futures dans notre pays, mais aussi au reste du monde, toute sa contribution à un développement inclusif, économique bien sûr, mais surtout humain et social. Nous voulons véhiculer notre attachement à la notion de durabilité qui nous pousse à transformer les multiples opportunités de notre pays en réalisations tangibles. Donc c'est l'histoire d'un Maroc en mouvement, un Maroc en développement qui se réinvente, qui se transforme pour s'adapter durablement et apporter des réponses aux grands défis de l'humanité d'aujourd'hui et de demain. C'est ça que nous allons défendre ensemble à Dubaï. Ce pavillon marocain, on peut le dire clairement, il est plutôt bien positionné puisqu'il est mis en exergue, il se situe à côté de celui du pays hôte, donc les Émirats Arabes Unis. Je vous propose d'ailleurs à présent de suivre ce témoignage de Ahmed Al-Khatib qui est en charge du développement et de la réalisation de cette Expo 2020 Dubaï. Ladies and gentlemen, I hope you are doing well and are all in a good health. From Dubai, here is my message to Morocco. Here at Expo 2020, each pavilion is unique and tells a story that reflects the values of the country it represents. The Morocco Pavilion is no exception to this role. It expresses Morocco's uniqueness with power and dignity. Located next to our country's pavilion, the UAE, in the heart of the Opportunity District, the Morocco Pavilion is a must-see during Expo 2020 and beyond. This legacy pavilion, one of the few to be so, is intended to last after the event and become part of District 2020, symbolizing the sustainability relations between Morocco and UAE. We are pleased to welcome you on October 1st to Expo 2020 Dubai. This participation in what will undoubtedly be the largest event since the outbreak of the coronavirus crisis is particularly important for Morocco, which will be able to seize the opportunity to present to the world its commitment to a sustainable future for tomorrow's generations.
And I would also like to take this opportunity to give you a quick brief on how the progress is going on Expo 2020 site. The progress is amazing. The signages are up, the trees are flourishing, the sound and the buzz, you can feel it everywhere. The country's pavilions are taking almost full shape. The beautiful Al Wasl Plaza is fully completed. The sustainability, opportunity, and mobility pavilions are all completed. The arrival roads, the access to the entire site also are completed. It looks really, really amazing, and you are an essential part to make this even more magical. And we are looking forward to welcome you on Expo 2020 on October 1st of this year. Madame la commissaire générale, donc on vient de l'écouter, ça s'organise, ou en tout cas tout est fin prêt à Dubaï pour accueillir cette exposition universelle. Alors, du côté marocain, concrètement, comment s'organise la participation du Maroc à Expo 2020 Dubaï ? La participation est multiple, elle commence d'abord par un projet architectural et une scénographie qui a mobilisé une multitude d'acteurs marocains qui viennent de tous les mondes, du monde de l'art, de l'industrie, de la recherche, de l'économie et de la science, mais surtout des Marocains du Maroc et des Marocains du monde, et je voudrais les saluer. C'est au moins 30 métiers différents, tous les talents du Maroc. Nous sommes entourés d'historiens, de compositeurs de musique, de graphistes, de réalisateurs, d'experts du digital. Je n'oublie pas bien sûr les architectes et les ingénieurs, mais je cite tous les autres, qui sont mobilisés et qui vont nous aider à raconter cette belle histoire du Maroc. Bien entendu, l'élément majeur et un atout majeur de notre participation, c'est le pavillon et l'architecture originale du pavillon qui est imaginée par l'architecte marocain Tarek Ouellalo, qui en parlera mieux que moi, au sein du district Opportunité de l'Expo 2020 Dubaï. Alors justement, Tarek Ouellalo, donc comment ça se passe? Comment imagine-t-on un pavillon pour une exposition universelle? Et bien sûr, comment imagine-t-on un pavillon pour le Maroc? Le Maroc a toujours participé aux expositions universelles et au fond, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de quelle est sa contribution, quelle conversation il peut apporter dans ce concert des nations. Et une des choses qui est très puissante, très prégnante, c'est que les expositions universelles ont toujours été un lieu d'expérimentation. Et le Maroc a toujours eu au cœur de sa tradition la modernité. Et on a essayé ici de proposer non seulement l'idée d'un Maroc très ancré dans sa tradition, mais qui regarde l'avenir avec gourmandise. Et donc, tout ce qu'on a voulu proposer ici, c'est une interprétation, une incarnation de l'expérience de ce que l'on peut vivre quand on est au Maroc, sans être dans simplement une représentation peut-être un petit peu folklorique. Donc, au fond, ici, ce qui nous importe, c'est de dire que le Maroc est un des grands théâtres où l'on peut inventer la présence de l'humanité dans le monde. C'est le sud du nord et c'est le nord du sud. Dans un pays où on a une multitude d'expériences, de civilisations, d'expérimentations, de matérialité, d'incarnation, il faut choisir une chose. On ne peut pas tout raconter. Là, vous avez choisi quoi, justement? On a essayé de mettre en avant à la fois la très grande tradition du sud qui nous relie à l'Afrique, la construction en terre, pour une raison très simple, c'est qu'à la fois elle est très ancrée au Maroc et que c'est aujourd'hui une des matérialités qui est au fond celle qui est la plus recherchée, puisque tous les grandes entreprises de béton s'intéressent à la terre. On a essayé de montrer que l'on pouvait inventer au Maroc une nouvelle manière de construire dans une matérialité très ancienne. Alors, parlez-nous davantage justement de ce concept architectural du pavillon Maroc Expo 2020 Dubaï. Et surtout, parce que vous avez évoqué cet élément de la terre, est-il présent dans tous les passages de ce pavillon? D'abord, ce qui est fondamental, c'est qu'on a voulu ne pas tricher. On n'a pas voulu représenter quelque chose, on a voulu faire quelque chose. Donc, ce n'était pas l'idée de la terre, c'est la terre elle-même. Et je pense que c'est ça qui parle du Maroc. C'est une expérience réelle, vécue, et puissante, à la fois sensuelle, matérielle et incarnée. Donc, le pavillon a été imaginé autour de quatre notions très simples. La première, c'est de parler non pas d'une chose, mais d'une multitude de choses. Ce n'est pas un bâtiment, c'est un tissu, c'est un village. C'est un village de terre qui est une réminiscence des constructions de l'Atlas. Donc, c'est 22 bâtiments qui sont une agrégation
qui s'accrochent les uns aux autres. La deuxième, et qui nous paraissait très importante, c'était de parler de l'ensemble des écosystèmes. Peu de gens connaissent la grande diversité géographique du Maroc. Donc on a fabriqué une dizaine de paysages qui vont du sud vers le nord et qui permettront à l'ensemble des visiteurs d'aller du désert aux plaines du Rahb, en passant par les côtes atlantiques, la Méditerranée, de faire le tour de cette très, très grande diversité géographique. La troisième notion très puissante pour nous, c'était de dire qu'au fond, on allait vivre le long d'une déambulation qui ressemblerait à ce qu'on vivrait en traversant une ruelle de Mdina al-Qadima. Ce n'est pas simplement le fait que ce soit une grande rampe qui descend du bas vers le haut, c'est le fait qu'on rentre de manière accidentelle dans les pièces et qu'au fond, c'est presque un labyrinthe. Et pour moi, ce qui était important, c'est de raconter cette expérience. Et la dernière notion, c'est Ustadar, l'intériorité, et que cette intériorité elle soit partagée avec le monde entier d'Expo. Parce que le patio que l'on fabrique à l'intérieur du pavillon, on l'offre à l'ensemble des participants. Il est traversable, il est utilisable pour les gens qui visitent le pavillon ou pas. Et cette générosité de l'espace public qui rentre à l'intérieur du pavillon nous paraissait importante. Si vous nous rapprochez, vous m'avez fait rêver, vraiment. Vous m'avez transporté dans ce pavillon en décrivant un peu l'esprit de ce pavillon. Mais si vous deviez nous rapprocher davantage avec du concret, des chiffres, Tariq Walalou. Alors, d'abord, après le pays hôte, c'est le plus grand pavillon qui est fabriqué. C'est le bâtiment le plus haut. Donc, une grande partie des gens qui vont le visiter vont pouvoir voir l'ensemble de l'Expo universelle. Wow. C'est un bâtiment dont on construit à peu près 6000 m², dont 3500 m² intérieurs. Ce sont 22 immenses volumes agrégés les uns sur les autres. C'est ce qui fabrique ce tissu dont je vous parlais tout à l'heure. Mm-hmm. Ce sont 10 jardins superposés. Et c'est surtout un travail d'équipe extraordinaire. Et ça, je tiens absolument à le souligner, entre les équipes au Maroc, les équipes à Dubaï, qui ont permis de pousser cette notion expérimentale. Et j'insiste là-dessus, il ne fallait pas qu'on soit uniquement dans la projection de ce qu'on a l'habitude de raconter de nous-mêmes. Là, ce qui était important, c'est de projeter ce qu'on a envie de faire, de l'ancrer dans ce que l'on est et de projeter ce qu'on a envie de faire. Et donc, cette dimension expérimentale, ça a été également un truc un peu compliqué, pour vous dire la vérité, parce qu'on a développé une manière constructive nouvelle, une manière de le réaliser qui n'existait pas encore. Et est-ce que ce pavillon Maroc représente le véritable Maroc, Nadia Ftahalaoui? Oui, le Maroc est divers, donc on ne peut pas capter tout le Maroc parce qu'on est un pays riche d'expériences de régions, mais en tout cas, toutes les facettes du royaume peuvent être captées dans cette expérience unique. D'abord au sein de ce village, comme l'a si bien décrit M. Walalou, mais au sein de ce village, nous avons une scénographie qui nous fait voyager, en fait. Donc, ce n'est pas un parcours muséal classique, ce sont des expériences immersives fortes. À chaque fois qu'on ouvre une salle, une porte, on a une expérience unique, interactive, ludique, qui implique le corps et l'esprit et qui fait découvrir et aimer, je l'espère, le Maroc pluriel. Donc le pavillon Maroc va affirmer une marque Maroc, d'abord par l'architecture qui est exceptionnelle et un emplacement exceptionnel. Et j'en veux pour preuve que nous allons probablement breveter cette innovation avec une terre qui est une tradition ancestrale pour en faire, on va dire, vraiment une innovation. Donc ce pavillon Maroc, c'est le pavillon de tous les Marocains. Et comment faire bénéficier justement les Marocains, soit-il dans le privé, dans le public, de cette, il faut le dire clairement, de cette visibilité multidimensionnelle internationale, et ce, pendant 6 mois quand même. D'accord. Alors, plusieurs publics, tous les publics sont importants, et on a pensé à chacun d'entre eux, et on a une proposition pour chacun d'entre eux. Le grand public, c'est quand même une exposition universelle. Donc, ceux qui auront la chance d'être là seront invités, incités par en plus une localisation unique. Ceux qui ne le sont pas, on partagera avec eux en permanence les préparatifs et la présence via des médias et les réseaux sociaux. Ensuite, il y a les institutions publiques et le monde de l'entreprise. C'est une occasion extrêmement importante
beaucoup d'orientation B2B. Alors, ce qui est important, c'est que les Marocains ont fait des progrès colossaux dans beaucoup de choses, nos infrastructures, notre industrie. Pendant la crise, on a innové. C'est le moment de le faire savoir au monde. C'est aussi très important pour le B2B parce qu'on est, comme vous le rappeliez, pour la première fois, une exposition universelle se tient dans cette partie du monde. Donc, nous allons nous ouvrir sur, on va dire, des pays ou des régions qui nous connaissent moins bien. Donc, là aussi, c'est une occasion unique. Et ensuite, nous allons pouvoir également mettre en avant ce que M. Louwalelou a rappelé également, notre ancrage africain et aussi notre localisation, on va dire, unique. Et dans des moments très importants, je vais pas tous pouvoir les citer, mais je voudrais par exemple expliquer que le Global Business Forum Africa, qui va se tenir mi-octobre, c'est un moment pour le Maroc, parce que nous avons un ancrage dans l'Afrique, ça fait partie de notre héritage, mais aussi de notre ambition, et ça sera un moment extrêmement important pour tous les partenaires d'en faire une vitrine pour ce qu'ils font et ce qu'ils ont envie de faire encore. Quels sont les autres moments forts, Madame Ftah Halawi? Qu'est-ce qu'on doit retenir, les moments clés de ces 6 mois de la participation marocaine à cette Expo 2022? Alors, si je devais les résumer, trois choses très importantes à retenir. La première, c'est l'exposition permanente. Donc, on rentre dans ce très beau pavillon, on découvre une scénographie à travers plusieurs salles pour être, on va dire, surpris à chaque fois par une image du Maroc, une réalisation du Maroc, qu'elle soit liée à nos héritages, à notre présent ou à notre avenir. Ensuite, un élément important est la programmation artistique et culturelle. C'est un rendez-vous planétaire où les citoyens du monde auront la chance de découvrir l'art marocain, la culture marocaine, avec la présence d'énormément d'artistes tout au long, on va dire, de ces 6 mois, avec un temps très très fort au sein de cette programmation, qui est le National Day, le 26 décembre, donc un moment très fort où il y aura une animation majeure autour du Maroc tout au long de la journée et sur l'ensemble, en fait, de l'exposition. Et enfin, une programmation économique et scientifique. Donc, l'Expo 2020 a organisé 11 semaines thématiques. Nous nous inscrivons de façon massive sur les 11 semaines, mais nous avons également d'autres moments où nous voulons participer, notamment le Golden Jubilee qui va marquer les 50 ans de la Fondation des Émirats. Nous tenons à témoigner, à participer. Nous voulons aussi être très présents dans le Women's Pavilion, qui est une véritable, on va dire, nouveauté dans l'exposition universelle. Et nous aurons beaucoup d'intervenantes marocaines talentueuses qui vont nous représenter, qui vont nous inspirer dans tous les domaines, associatifs, scientifiques, culturels, vraiment tous les domaines. Et je ne veux pas oublier les jeunes pousses et les start-up marocaines. Nous avons la chance et la fierté de dire que 2 d'entre elles ont déjà été sélectionnées par Expo Live et auront leur moment dans le pavillon de Good Place, en fait, pour la créativité et l'inventivité. Donc, un programme riche tout au long des 6 mois, entre le 1er octobre et fin mars. Alors, j'imagine que d'ici ces 6 mois, bon, en tout cas, ou pendant ces 6 mois, quel est votre plus grand challenge, Madame Ftah Halawi, par rapport à cette participation marocaine à l'Expo 2020 Dubaï? Alors, le plus gros challenge, c'est révéler au monde entier toutes ces facettes de notre Maroc pluriel. C'est enrichir, compléter la perception du Maroc et donner à voir les héritages connus et ceux qui sont moins connus ou méconnus, et je suis sûre qu'il y en a. Nous voulons porter haut et fort les couleurs du royaume, valoriser l'image de ce pays moderne, engagé et qui est en pleine mutation pour œuvrer pour un impact positif pour les générations futures. Nous voulons associer tous les publics. Vous les avez cités tout à l'heure, je les rappelle, c'est l'exposition de tous les citoyens marocains, de tous les Marocains du monde et le grand public international. Et pour ce faire, nous sommes engagés, nous nous engageons à communiquer régulièrement jusqu'à l'ouverture, mais surtout pendant l'exposition, avec des rencontres presse et tous les réseaux sociaux ou tous les moyens de communication qui sont à notre disposition. Donc c'est un challenge avec une équipe multidisciplinaire. À compter d'aujourd'hui, j'espère qu'il est le projet de l'ensemble des Marocains et nous veillerons à les embarquer tous avec nous pour que ce soit une fierté collective et, je l'espère, un succès collectif.
Vous en avez déjà une que vous avez embarquée, elle est sur ce plateau. En tout cas, vous avez embarqué tous les deux. Merci, Tarek Walalo. Merci, Madame la commissaire générale de la section marocaine à l'exposition universelle Expo 2020 Dubaï, d'avoir partagé avec nous, de nous avoir rapprochés davantage de ce pavillon marocain à cette exposition universelle. Merci beaucoup.